Je disais tantôt, votre profondeur dans la parole détermine votre hauteur dans ce monde. Et que votre attitude face à la parole détermine votre attitude dans ce monde. Je me cite le pasteur Prévé Léry, garde ton pied sur la parole et tu obtiendras des témoignages des Bibles. Qu'est-ce qu'à dire? Cela sous-entend que les ceux qui influencent ce monde, ceux qui font des miracles comme Jésus, ou ceux qui feront des miracles plus grands que Jésus, sont des gens qui ont été multifacettes dans le temps et dans l'espace. Or, la Bible déclare dans 1 Jean 4, 17 que tel Jésus est tel, nous sommes dans ce monde. Donc, Jésus était le lion de la tribu de Juda. Il était également le soleil de justice à Matthieu. Mais il était également le sacrificateur souffrant en sacrifice pour le pardon et l'expiation de son peuple, comme étant l'agneau et le lion qui volait dans le livre de Marc. Il est présenté dans lui comme étant le fils de l'homme, le fils d'Adam, qui veut dire en hébreu Adam, c'est le fils sorti des entrailles d'un homme. Amen, amen. Toi qui es divin, 100% divin, 100% humain. Et Jean le présente comme étant l'aigle. Amen, amen. Donc Jésus lui-même, pour régner dans le temps et l'espace, il y a 6000 ans entre Adam et Jésus. Et de Jésus à nos jours, il y a exactement 2000 ans. Comme il a créé l'humanité en 6 jours, un seul lancé par vie sont égal à. Or Dieu s'est reposé le sixième jour parce qu'il a vu que tout était parfait. Or des Adam jusqu'en 2022, nous sommes entrés dans le septième jour. Je veux dire quoi par là, que Christ qui a dominé dans les temps et l'espace, son nom reste éternel, général invaincu, lion de la tribu de Juda, admirable conseiller, père éternel, tout puissant, domination repose sur son épaule. Il est celui-là même qui n'a jamais perdu une bataille. Dans le temps de l'espace, des hommes sont venus, ils ont fait la queue, le beau temps sont partis, mais lui, ça a développé sa popularité, sa maestria reste établie à jamais dans le siècle et dans les âges. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas une seule facette. Le même Jésus qui a dit si quelqu'un te chiffre la main, joue gauche, un joue la joue droite, est le même Jésus qui a pris le fouet dans le temple et qui a frappé sur les bancs. Nous comprenons que Jésus avait une vie facette. Si tu es régné dans ce monde, tu dois cesser d'être un humain, tu dois devenir un monstre. Si tu dois être un homme pour qui tout est possible, un homme lorsqu'il appelle, le ciel répond Amen. Tu dois être un homme monstre. Il dit que pendant que Jésus s'adressait à lui, il a dit allez par toutes les nations, je ne vais pas lui faire la nation. Il dit quoi? Parce que c'est ce qu'il n'est pas. Elle est déjà condamnée. La Bible dit pendant qu'il parlait, la Bible dit se leva de devant eux, ascendant dans le ciel sans moteur à propulsion, et défiait les voies de la présence d'eux. Puis la Bible dit que Jésus-Christ, mon fils humain devant eux, leur adresser la parole, devient un cache, un nuage, et alla s'asseoir à la droite du Dieu sur la divinité de Jésus. Les sorciers ne pourront pas démaîtriser en 2022. Amen. Et Dieu revêtera une apparence lors des attaques spirituelles dont vous êtes victime, en fonction de votre degré de révélation de sa personne. Et lorsqu'ils arriveront auprès de ta demeure, ils feront le lion de la tribu de Juda, parce que le lion est le roi de la tribu. Lorsqu'ils attaqueront, ils croiseront l'aigle, le seul rapace qui peut chasser dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Pourquoi? Parce que, étant volant, ils rencontreront Jésus qui est l'aigle de justice. Pourquoi? Parce que l'aigle est le roi, empereur de tous les rapaces et de tous les oiseaux. Est-ce que vous comprenez les gens de Jésus? Parce que lorsque vous écoutez la parole a le pouvoir de faire de vous ce dont elle parle. Jésus dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera des miracles comme j'ai fait, mais une chose étrange, il fera le plus grand miracle. Or, pour connaître quel type de miracle le plus grand nous pouvons faire semblable à ce que Jésus a fait, il nous faut d'abord regarder dans le canon des Écritures. La Bible nous parle d'un certain homme appelé Josué, fils de Nun. Dans Josué, chapitre 10, verset 2, il dit que pendant que Josué combattait contre une nation, Josué, sachant que le soleil, s'il se couchait, serait en désavantage du peuple d'Israël qui était lui et qui était étranger dans ce désert. La Bible dit que Josué dit soleil, arrête-toi, lune, suspend ta course. La lune dit le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Frère, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 19 que Christ est l'image de Dieu invisible, en lui représente toute la plénitude corporelle de la vie. Et ce Jésus dit, tel il est, tel tu es dans ce monde, pas au ciel. Un homme appelé Josué a dit au soleil, soleil arrête-toi, lune suspend ta course, le soleil s'est arrêté. Quand vous sentez bien en science, vous allez voir que le soleil ne s'arrête pas. Car normalement, c'est la terre qui rôde autour du soleil. Quand Josué a dit au soleil arrête-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a. Et dans Ésaïe chapitre 38, la Bible parle du roi Ézéchias, qui était malade et dont le prophète est venu, Ésaïe est venu le guérir. Il dit que, oh, prophète, qui a jamais, comment saurais-je que j'ai été guéri? Il dit alors, donne un signe. La Bible dit que le prophète Samuel, le prophète Esaïe, dit au roi Josias, tu sauras que tu as été guéri par ce signe. Le soleil va reculer dans le sens contraire de l'évolution des aiguilles du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Esaïe a inversé la rotation de la terre autour du soleil de 24 heures. C'est pourquoi, à cause du miracle d'Esaïe et du miracle de Josué qui a stoppé la terre et le retour autour du soleil, le mois de février, par calcul scientifique et astrologique, manque de 2 jours. Parce que deux hommes ont fait un verre.
rotation de la terre autour du soleil, et elle a stoppé la rotation de la terre autour du soleil pendant 24 heures. La Bible nous parle d'un homme appelé Paul. La Bible dit que Paul ayant échappé à un naufrage pendant qu'il faisait du feu, Actes des apôtres, pendant qu'il assemblait du bois pour faire du feu, la Bible dit qu'une vipère s'agrippa à sa main droite. La Bible dit que Paul secoua la vipère dans le feu. Et nous savons que la vipère est le reptile le plus vénéneux. Ça mange tu en moins de 5 minutes. Et la Bible dit qu'après 10 heures de temps, Paul étant saint d'esprit, d'âme et de corps, les peuplades de la contrée vinrent se prosterner devant lui. Jupiter nous a visité sous une forme humaine. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, si vous buvez de quelques breuvages mortels, rien ne vous sera fait en aucun cas. Bien-aimé, il y a des personnes ici, tout ce que tu as mangé en songe, en rêve, en révélation, en vision, cela n'a aucun pouvoir sur toi, parce que voici les miracles d'accompagnement, ceux qui vont, abonnez-vous, ils chasseront l'air, ils parleront de nouvelles, ils épouseront les malades seront, et les connaissent s'ils boivent de quelques breuvages mortels, rien ne leur sera en fait aucun mal. Physiquement et spirituellement. Physiquement, amen, amen. De ce que tu vois avoir de base mondiale physiquement ne peut te faire aucun mal. À plus raison, ce que tu vois dans les rêves. Est-ce que tu as quelque chose? Ce matin, tu reçois et la même frère de défense par rapport à toutes choses. C'est ça, il y a des choses pour lesquelles tu m'as dit Dieu qui sont déjà en ta possibilité. Amen. Ça veut dire que la grâce et le pouvoir, l'autorité est déjà dans vous, mais il vous faut maintenant réaliser ce que vous êtes en Jésus. Combien d'entre vous se rendent compte que Jésus de Nazareth, pour qu'il pratique le miracle de la marche sur les eaux, d'après l'université de Massachusetts de Californie, il nous a dit que pour qu'un homme soit capable de marcher sur les eaux, il devrait allonger sa taille à 2 km et réduire sa masse corporelle à 2 grammes. C'est ce qui fait en sorte qu'un homme soit capable de marcher sur les eaux. C'est pourquoi les disciples de Jésus l'ont confondu à un fantôme. Pourquoi? Parce qu'il mesurait 2 km de taille et il pesait 2 grammes. Tu veux te dire que tu dois être un monstre. Les gens ne doivent pas t'appréhender si tu dois faire des exploits dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Tu dois conserver un mystère concernant ta personne. On te connaît tout. L'un des signes visibles de ta réussite est que, premièrement, tes ennemis prétendront ne pas voir que tu es en train de faire du progrès. Deuxièmement, ils vont te combattre. Troisièmement, ils vont commencer à te célébrer. Et quatrièmement, ils vont commencer à dire qu'ils te connaissaient, et qu'ils te persécutaient parce qu'ils savaient même que tu allais le suivre. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que Colossiens chapitre 3, partie du verset 3, la Bible dit que la pénétration de sa parole nous renouvelle chaque jour. Ça veut dire, bien aimé, l'immersion de la parole influence même ton système immunitaire. Je veux te dire quelque chose. Tu es capable de faire des exploits. Amen. C'est l'œil censé parler, ce n'est pas ton rêve. Tu es supposé faire plus que ça. Amen. Vous savez, Samson était plus maigre que moi, d'après la Bible. Parce que si Samson était trapu, costaud et musclé, les Philistins ne poseraient pas la question à Dalila de savoir d'où lui vient sa force légendaire. Car il aurait été naturel que sa force lui provient de ses grands muscles. Mais s'il voyait comment il était chétif, maigrelet et mince, ça devenait un miracle pour lui de faire ce qu'il pouvait faire. Amen. Avec une mâchoire d'aller tuer 1000 personnes. Amen. Un seul homme lié 70 renards. Prendre les bâtons d'entrée d'une porte, transporter ça seulement et vous tuer lui seul, sans assistance et sans aide. Pour la note, les avons dû le faire 52 précis, 52 précis adultes. Je vais te dire quoi, si les gens vont se poser la question de savoir d'où vient ta force légendaire au nom de Dieu. Le thème c'est quoi? Tout est possible à celui qui. Wow. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne croient plus en ce qu'ils sont. Qu'est-ce que j'ai ici entre mes mains? Qu'est-ce que je fais? Je lève le billet. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Désirer. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Éraser. Cette étape qui a suivi ces billets de 2000 francs. Comme toi qui es dans la salle, madame, monsieur, tu me regardes présentement, jeune homme, jeune fille. Lorsque tu avais de l'argent, les parents, les membres de ta famille t'ont élevé. Ils ont porté tes manches. Ils ont arrêté son compte dans toutes les cérémonies. Les appellations ne pouvaient pas te concerner. Parce que tu avais de l'argent. Si les démons forts, gentils et éternués, ils peuvent à pousser la crise de la rive pétrolière à faire en sorte que tu sois licencié pour des raisons économiques. Tout ce qui t'avait élevé t'ont froissé. Ils t'ont jeté. Non seulement ils t'ont jeté, ils t'ont piétiné. Ça ne suffisait pas. Ils t'ont même écrasé. Tout ce pour qui tu t'étais oublié toi-même. Tu avais abandonné tes enfants dans leurs besoins pour la satisfaction des besoins de certains membres de ta famille. Ceux-là, ils t'ont écrasé et piétiné. Question, tu me réponds. Question, tu me réponds. Question. Maintenant, bien aimé,
si quelqu'un d'entre vous passe la carte, il y a loin d'un jour de boue, et il voit ses billets de 2000 dans la boue, tout s'allume. Il prend pour ramasser au bien, pour laisser ses billets passer les salles. Quels sont ceux qui disent qu'ils vont ramasser? À l'unanimité toute la salle. Il est pourquoi vous allez ramasser le billet de 2000 qui a été élevé, froissé, jeté, décliné et placé. Parce que le seul fait que le seul pouvait que le billet soit dans la boue n'altère pas sa valeur. Tu as dit une chose, tu as été élevé, tu as été froissé, jeté, décliné et placé, mais tu restes toujours un billet de 2000 qui n'a pas perdu sa valeur.